Ben, monsieur, bonjour, bon appétit si vous êtes à table. Nous, vous êtes dans le ZCL final, celui du vendredi, celui qui est aussi consacré à la presse, puisque aujourd'hui, vers 13h, on va recevoir dans le cadre du CDLP habituel nos amis de la presse, mais aussi tout à l'heure, nous aurons l'honneur et l'avantage de recevoir un grand maître de la morgue. Je vous dirai tout à l'heure ce que c'est que la morgue. En attendant, on va recevoir Jessie, bonjour. Bonjour, Danick. Et dérouler le fil de l'actu d'aujourd'hui. Merci Danick et bonjour à toutes et à tous. Voilà les titres de l'actualité de ce vendredi 1er avril. Nous avons recueilli la réaction du MIR, le Mouvement International pour les Réparations, suite aux propos de la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, qui, on le rappelle, a fait un parallèle entre les personnes qui choisissent de porter le voile et les esclaves noirs américains. Les douaniers guadeloupéens sont inquiets et la réforme de l'octroi de mer y est peut-être pour quelque chose. Hier, les syndicats des douanes de Guadeloupe tenaient une conférence de presse à Pointe-à-Pitre pour expliquer leurs craintes. Et enfin, dans la nuit du dimanche au lundi dernier, un incendie apparemment criminel avait ravagé les locaux de la vie sociale au collège du Lamentin. Suite à la mobilisation rapide des services du conseil départemental, les élèves du collège du Lamentin reprendront donc les cours normalement ce lundi 4 avril. Merci. Ici, j'ajoute que depuis hier, les négociations ont recommencé, ont repris entre les syndicats et la direction de Canal Plus Antilles. Au moment où je vous parle, les négociations continuent, mais ça n'a pas beaucoup avancé hier. On espère en tout cas une fin assez rapide de ce conflit, si bien sûr les revendications des salariés aboutissent. Bien, alors je vous ai dit tout à l'heure, nous allons recevoir, et déjà présent, un grand maître de la morgue. La morgue, c'est l'ancien mystique Ordre de la Rose Croix, on l'appelle aussi la morgue, on les appelle les Rosicruciens. J'ai avec nous Serge Toussaint, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Vous êtes là parce que se tiendra en Guadeloupe ce week-end un congrès des Rosicruciens. Alors, j'avoue que je ne savais pas qu'il y en avait autant en Guadeloupe. Alors oui, je viens pour présider un congrès qui va rassembler entre 300 et 400 Rosicruciens. Et je viens dans cette partie du monde à peu près une fois tous les deux ans, puisque en tant que grand maître de la juridiction francophone, eh bien, mon devoir, c'est d'aller à la rencontre des membres des pays francophones, France, Suisse, Belgique, Québec, Dom-Tom et Afrique francophone. Donc ça va être l'occasion pour moi de les rencontrer à travers des exposés culturels, à travers des exposés spirituels. Et puis c'est toujours un moment d'échange fraternel très agréable. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui nous regardent ici en Guadeloupe, en Martinique et peut-être même en France, puisque nous sommes en direct avec la France aussi, qui ne savent pas ce qu'est la morgue. On entend parler des Rosicruciens, on pense que c'est une secte secrète, sont des gens mystérieux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu davantage sur cet ordre qui date depuis le 15e siècle, si je m'abuse? Sur le plan historique, le 17e siècle. Mais sur le plan traditionnel, beaucoup plus ancien, puisque ses origines remontent aux écoles de mystère de l'Égypte antique. Alors c'est vrai, on n'est pas très connu, peut-être parce qu'on ne parle pas suffisamment de ce que nous sommes, peut-être qu'on est trop discret. Vous ne communiquez pas suffisamment, c'est ça? Peut-être, quoique maintenant, nous avons des sites internet qui permettent de se faire une très très bonne idée de ce que nous sommes et de ce que nous ne sommes pas. Disons par définition, l'Ordre de la Rose-Croix est un mouvement philosophique, non religieux, apolitique, ouvert aux hommes comme aux femmes, sans distinction de religion, de classe sociale, d'une manière générale, ça c'est la définition de l'ordre. Oui. Alors justement, quelle est la philosophie de la Rose-Croix ? Alors, quand on est rosicrucien, c'est d'abord recevoir un enseignement écrit. Autrefois, il était effectivement perpétué d'une manière orale, parce qu'on a parlé société secrète. Oui. C'est vrai que dans le passé, l'ordre de la Rose-Croix était une société secrète. C'était une nécessité pour préserver ses membres des persécutions religieuses ou politiques. Fort heureusement, il y a plus de tolérance de nos jours, et donc on est passé du statut de société secrète au statut de société discrète. Cela dit, comme je viens de le dire, on n'est pas caché. Il y a un site internet, il y a des interviews, il y a des émissions de radio, de télévision ou autre. Alors, de nos jours, l'enseignement de l'ordre est transmis par écrit. Il est échelonné sur 12 degrés et donc les sujets traités dans les monographies que reçoivent les membres chez eux, eh bien, traitent de tout un tas de sujets philosophiques et mystiques. Alors là, on n'a pas suffisamment de temps, mais dans le premier degré, par exemple, on va étudier les lois de la matière, les origines de l'univers, la raison d'être du monde matériel. Dans le deuxième degré, on va étudier
les différentes phases de la conscience humaine, les différentes facultés que l'être humain possède et qu'il peut développer davantage. Dans le troisième degré, on va étudier la vie, les caractéristiques de la vie à travers le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, on va parler aussi d'un règne, post-humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe finalement après la mort, parce que ça reste pour beaucoup d'êtres humains le plus grand des mystères. Donc voilà, il y a tout un enseignement culturel, spirituel, qui à mon avis permet à chaque membre de mieux se connaître lui-même, parce que c'est quelque chose d'important dans la vie, de mieux comprendre le sens profond de l'existence, hein, c'est-à-dire pourquoi vivons-nous ici-bas sur cette planète Terre. Et puis aussi, il y a beaucoup d'expériences, de pratiques qui permettent, dans la mesure du possible, d'orienter positivement sa vie. C'est très important d'essayer de maîtriser sa vie. Et qu'est-ce qui vous différencie du coup de la franc-maçonnerie ou d'autres organisations ésotériques ? Ah, écoutez, je ne suis pas franc-maçon, je ne l'ai jamais été, je sais que je ne le serai jamais, parce que ce que je trouve dans l'ordre de la Rose-Croix me suffit largement. Je ne peux pas parler de la franc-maçonnerie, je ne suis pas franc-maçon. Disons que souvent on nous compare effectivement à la franc-maçonnerie. Pourquoi ? Parce que ce sont deux organisations qui autrefois étaient considérées comme secrètes. Et j'en profite pour rappeler, si besoin est, que la franc-maçonnerie est apparue au XVIIIe siècle et l'ordre de la Rose-Croix au XVIIe. Donc la Rose-Croix est plus ancienne, si j'ose dire. Franc-maçonnerie. Il n'y a jamais eu de contact entre les deux ordres, entre les francs-maçons et les rosicruciens ? Pas spécialement. C'est-à-dire que, si vous voulez, la mort, par définition, et même par devise, c'est la plus large tolérance dans la plus stricte indépendance. Ça veut dire qu'il y a des rosicruciens chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans, des rosicruciens qui n'ont pas de religion particulière. Pas franc-maçon quand même, on peut pas et être. Il peut y avoir, si, bien sûr, si. On est fermé à personne, bien entendu. Donc il y a nécessairement des francs-maçons rosicruciens et donc des rosicruciens francs-maçons. Mais comment on accède à l'ordre ? Est-ce qu'il y a, un parcours initiatique, un peu comme chez les francs-maçons, c'est un peu comment ça se fonctionne ? Alors, si vous voulez, dans la mort, que, si vous faites allusion, je pense, au parrainage, à la cooptation, non, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que on devient rosicrucien par une démarche personnelle. C'est-à-dire qu'un jour, on entend parler des Rose-Croix à travers une émission de radio, une émission de télévision, un livre, Internet, que sais-je encore, et on prend soi-même individuellement contact avec le siège. Oui. En général, on envoie une documentation qui permet à chacun de se faire une idée de ce qu'est l'ordre de la Rose-Croix, de sa philosophie, de son enseignement. Et puis après, c'est une démarche personnelle. Il n'y a pas de parrain, il n'y a pas de parrainage. D'accord. Et à ce niveau-là, vous parlez d'une société quand même philosophique, le rôle de la spiritualité dans la morgue. Ben disons que le rosicrucianisme, hein, c'est le nom de la philosophie rosicrucienne, est à la fois humaniste, parce que nous mettons l'être humain au centre de nos préoccupations, et spiritualiste, parce que les rosicruciens, bien sûr, admettent l'existence d'une âme en tout être humain, et admettent l'existence de Dieu, mais pas au sens religieux du terme. Pour les rosicruciens, Dieu, c'est pas un surhomme, hein, qui trônerait quelque part dans le ciel, et qui se comporterait à l'égard des hommes comme un père envers ses enfants. Pour nous, Dieu, c'est plutôt une intelligence, une conscience, une énergie universelle qui se manifeste à travers l'univers, la nature et l'être humain au moyen de lois. Et notre objectif en tant que rosicruciens, c'est plutôt d'étudier les lois divines, au sens de lois universelles, de lois naturelles, de lois spirituelles, plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'est Dieu lui-même. Mais enfin, pour pratiquer quand même le rosicrucianisme, il y a quand même, j'ai envie de dire, des séances, il y a des lieux de culte, enfin, entre guillemets, on essaie de savoir un peu comment fonctionne cet ordre. Alors, quand on est rosicrucien, c'est d'abord recevoir chez soi un enseignement écrit. Individuel. D'accord. Et pour les membres qui le souhaitent, certains souhaitent rencontrer d'autres membres. Oui. Alors, ceux-là peuvent le faire en se rendant dans des loges. Et ici, il y a des loges. Oui, il y a des loges. Donc ici, il y a une loge principalement, et les membres qui le souhaitent peuvent se retrouver dans les loges et échanger entre eux ce qu'ils ont étudié chez eux. D'accord. Alors, on ne veut pas faire nécessairement la comparaison avec les francs-maçons, etc. On en a parlé un peu, mais du point de vue du fonctionnement, est-ce qu'on peut dire que l'ordre à Mok est un lieu de pouvoir ?
Ah non, pas du tout, c'est totalement contraire à notre éthique. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la morgue, je pense que c'est à ça que vous faites allusion, de réseau de quelque nature que ce soit. Ça, c'est quelque chose qu'on s'interdit pour des raisons éthiques. Ça veut dire que quelqu'un, et je dois le dire par honnêteté, oui, quelqu'un qui deviendrait membre de la morgue en pensant qu'il va pouvoir tisser des relations d'affaires, que sais-je encore, oui, là, il se trompe de mouvement. Hein. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on s'interdit. Et ça signifie que vous n'intervenez pas non plus dans les champs sociaux ou politiques. Vous avez dit que vous êtes à politique, mais face à des injustices ou à des choses comme ça, quelle peut être alors la position? Effectivement, la morgue est apolitique, et c'est ce qui lui permet justement de réunir, comme je l'ai dit, non seulement des personnes qui ont des religions très différentes, mais également des personnes qui ont des conceptions politiques différentes, voire opposées. C'est-à-dire que chez les Rosicruciens, il y a des, comme on le dit familièrement, des membres qui sont plutôt politiquement à gauche, d'autres qui sont plutôt politiquement à droite, d'autres du centre, et que sais-je encore. On ne parle jamais ni religion ni politique. Par contre, ça ne veut pas dire que l'ordre de la Rose-Croix n'essaye pas de contribuer à l'élévation des consciences. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, on a publié une déclaration des devoirs de l'homme qui a été éditée dans de grands journaux tels que Le Monde en pleine page, voyez, puisqu'on s'est dit à un moment donné qu'on avait le sentiment que beaucoup d'individus revendiquaient des droits, ça peut être légitime, mais ne s'acquittaient plus des devoirs qui, en principe, sont à la base d'une vraie démocratie. Donc on a publié une déclaration des devoirs il n'y a pas très longtemps. On a publié également un plaidoyer pour une écologie spirituelle qui a été lu au Sénat du Brésil, en présence donc de sénateurs, en présence donc de députés, de personnalités politiques et même religieuses, voyez. Vous dites écologie spirituelle. Oui. Oui, comment on peut définir l'écologie spirituelle? Eh bien, parce que je pense que dans l'écologie, il peut y avoir une part de spiritualité quand on est spiritualiste, bien entendu. C'est-à-dire que pour nous, Rosicruciens, la Terre, c'est pas uniquement une planète qui sert de cadre de vie aux créatures vivantes. On pense que c'est également un cadre d'évolution spirituelle, au moins pour les êtres humains. Donc on peut avoir une approche tout à fait spirituelle de l'écologie. Et puis moi, j'ai publié il n'y a pas très longtemps des lettres ouvertes. Lettres ouvertes aux croyants, lettres ouvertes aux scientifiques, lettres ouvertes aux athées, lettres ouvertes aux femmes. J'ai même fait une lettre ouverte aux animaux. Pour leur dire quoi, l'objet de ce type de lettres? Il faut les lire. Vous les avoir écrites, vous imaginez qu'on a envie de savoir ce que vous pouvez dire aux animaux, par exemple? Eh bien, déjà, je leur demande pardon au nom de l'humanité pour les horreurs dont ils sont victimes à travers le comportement humain. Donc, d'accord, je fais comme si je leur parlais, comme si eux-mêmes pouvaient me répondre. C'est un point de vue humaniste. Ah bah oui, bien sûr. Oui. C'est abominable ce que l'on fait. Gandhi avait dit qu'on juge le degré d'une civilisation au comportement qu'elle a à l'égard des animaux. C'est tout à fait vrai. Un Pythagore avait dit que tant qu'on sera aussi méchant, cruel envers les animaux, il y aura toujours des guerres entre les hommes. Il avait là encore raison. Hein. Donc une lettre ouverte aux femmes, parce que je pense que les femmes n'ont pas encore le statut qu'elles devraient avoir dans la société. J'en profite pour dire que la morgue a toujours accorder aux hommes et aux femmes le même statut d'égalité. Moi, je suis grand-maître de la juridiction francophone. Oui. Il y a d'autres grands-maîtres à travers le monde. Ce sont des femmes. Et bien sûr, ça ne pose aucun problème. Une femme, justement, ici. Alors, vous avez dit que vous accueillez tout le monde, hein, finalement, dans la Rose-Croix, quelle que soit sa religion. Mais est-ce que la religion n'est pas parfois contradictoire avec peut-être les écrits que vous remettez? Alors, il peut y avoir des contradictions, mais c'est aux membres de le décider. Vous avez raison. Par exemple, un Rosicrucien chrétien, s'il suit le christianisme, on va lui parler de la résurrection des corps. Dans l'enseignement rosicrucien, on va plutôt parler de la réincarnation de l'âme. Il va devoir faire un choix. Mais comme l'enseignement rosicrucien n'est pas dogmatique, eh bien il fait le choix qu'il veut. C'est-à-dire qu'il va choisir la réponse qui lui semble la plus adaptée à sa compréhension des choses, voyez. C'est ce qui fait la différence entre un mouvement comme le nôtre, qui n'est pas du tout dogmatique, l'enseignement est proposé, et une religion que je respecte, où l'enseignement est dogmatique, donc que l'on doit coûte que coûte accepter. Mais il n'y a pas forcément d'incompatibilité. Je pense que la plus belle des vertus que tout croyant doit cultiver, c'est la tolérance. Qui détient la vérité en ce monde? Personne. Et justement, quel est votre regard par rapport justement à la situation actuelle de la société? On va parler des terrorismes, enfin du terrorisme du coup, qui engendre des guerres liées, on va dire, aux religions. Alors,
ce qui se passe actuellement, de mon point de vue, c'est qu'il y a une crise mondiale. Je crois que c'est une crise de civilisation, mais sans S, et non pas de civilisation avec un S, comme parfois, de mon point de vue, on veut le dire. Je crois que cette crise est due essentiellement au fait, et c'est contradictoire, que le monde est devenu trop individualiste et trop matérialiste. Et je pense qu'il faudrait donner au monde une orientation beaucoup plus humaniste et spiritualiste. Alors vous me parlez des intégristes, mais dans leur cas, la religion n'est qu'un prétexte. Ces gens-là ne connaissent pas le Coran. Ces gens-là dévoient le peu qu'ils connaissent du Coran à des fins, à mon avis, sociopolitiques. Je pense que ce sont des malades. Donc je crois là aussi qu'il faut éviter évidemment l'amalgame avec les musulmans dits modérés, mais au risque peut-être d'étonner un petit peu ou de choquer, je pense que les musulmans ne condamnent pas suffisamment, massivement et fortement les crimes commis par les islamistes. Je pense qu'ils auraient tout intérêt à le faire. Alors certains musulmans avec qui je parle, avec qui j'ai de très bonnes relations, me disent non, on n'a pas à justifier. Moi je crois qu'il faut justifier. Je crois vraiment que la solution majeure, à mon avis, au problème de l'islamisme, elle se situe dans l'islam. Et je souhaite de tout cœur que la grande majorité des musulmans, on peut rêver partout dans le monde, eh bien, fassent des manifestations pacifiques pour dire ça, c'est pas nous, ça on n'en veut pas. Parce qu'autrement, on voit bien dans les mentalités, vous connaissez l'adage « qui ne dit mot qu'on sent », et on sent, certains philosophes, sociologues le disent, on pourrait être au point de la rupture. Donc c'est ce que j'ai fait dans la morgue. Vous voyez dans la morgue qu'il y a des musulmans, et je leur ai demandé de dénoncer clairement, de condamner clairement ces comportements islamistes qui se réclament de l'islam et qui en fait sont le fait de gens complètement fous furieux. Et alors sur les situations de guerre, par exemple, votre mouvement, votre ordre a connu toutes les guerres religieuses, mais pas seulement, les guerres mondiales 14-18, 39-45, etc. Est-ce qu'à ces moments-là, les Rosicruciens sont pour ou contre la guerre, pour ou contre l'enrôlement dans l'armée? Comment vous situez dans ce genre de situation paradoxale, d'autant plus qu'en ce moment encore, il y a des guerres un peu partout, et comme vous dites que vous êtes un mouvement humaniste, on prêche l'amour de l'homme. Bien entendu, alors là c'est un choix individuel. La morgue ne va pas dire allez faire la guerre, n'allez pas faire la guerre. Ne faites pas la guerre, faites la religion. Non, ça c'est. Vous savez, la morgue est une école de liberté. Oui. Nous, on transmet un enseignement philosophique. La manière dont les membres vont l'appliquer, le comprendre et le vivre, c'est leur responsabilité individuelle. Mais il y a un grand ordre quand même. Vous avez des textes fondateurs quand même pour Il y a des textes, textes fondateurs. Il y a des écrits qui ne sont pas fondateurs, qui sont des ouvrages de réflexion. De référence quand même. De référence, bien entendu. Qui donne une ligne quand même, qui définit. Par nature, on essaye d'être pacifiste. Oui. Mais vous savez ce que le Mahatma Gandhi a dit quand même. Il a dit, et c'était la peau de la non-violence, comme vous savez. Il a dit, si je devais choisir entre la violence et la lâcheté, je choisirais la violence. Oui. Gandhi a dit ça. Donc évidemment, si on revient sur l'intégrisme musulman, est-ce qu'on peut se contenter de les laisser faire, de tuer, de massacrer, de violer, de décapiter, et puis de dire tout va bien dans le meilleur du monde? Je ne pense pas. Oui. Je ne pense pas. Maintenant, après, c'est à chacun son travail. Mais vous ne prenez pas position sur ce genre de choses quand il y a des attentats, des choses comme ça? Si, on dénonce, bien entendu. Oui. Mais dans les moyens à utiliser, on ne peut pas. Parce que, comme je l'ai dit, la morgue est apolitique. Oui. Il est évident que dans la morgue, il y a des membres, probablement, par exemple, qui pensent qu'il faut mener une guerre sans pitié contre les terroristes, et puis d'autres qui pensent qu'il faut privilégier absolument la démocratie, puis d'autres qui vont avoir d'autres idées encore. On ne peut pas rentrer dans ce débat-là. Enfin, on ne veut pas rentrer dans ce débat-là. – D'accord. Et donc, pour en revenir… – D'ailleurs, je ferai remarquer que même les politiciens de tout pays, actuellement, sont perdus. Oui. Les alliances sont telles qu'on n'y comprend plus rien. Certains pays vont aider un tel plutôt qu'un tel. Enfin, c'est devenu très compliqué, cette affaire-là. – Effectivement. Et dans la société, puisque vous parliez d'écologie spirituelle, mais sur l'écologie même, sur la vie sur la planète aujourd'hui, on sait tout le mal que fait la consommation à outrance. Comment vous situez sur ces choses-là? Parce qu'en fait…
Vous êtes un mouvement philosophique, mais vous êtes dans le réel quand même. Ah ben tout à fait. Là, comme je vous l'ai dit, on a publié un plaidoyer pour une écologie spirituelle qui comporte, je ne sais plus, 10 ou 11 points, que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de commenter. C'est évident que nous pensons qu'il faut aller vers une moins de consommation, mais une meilleure consommation. C'est évident que le monde croule sous des pollutions diverses et qu'il est grand temps de faire quelque chose. À chaque minute qui passe, il y a l'équivalent d'un terrain de football de forêt qui disparaît. On pourra aller très loin comme ça. La situation est vraiment à ce niveau-là très très préoccupante. On dit qu'André Malraux aurait déclaré le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Oui. Moi je dirais le 21e siècle sera écologiste ou ne finira pas. D'accord, on ne finira pas. J'ai noté. C'est réaliste parce que je pense être quelqu'un de fondamentalement optimiste. Oui. Mais il faut quand même être réaliste. On voit bien, là on nous a parlé beaucoup de la COP21, mais on ne nous a pas tout dit. En réalité, tous les pays ne sont pas partie prenante. Dans les prochaines années, ils auront la possibilité de se défaire du traité. Selon des associations présidées par Nicolas Hulot, on est déjà à 3 degrés. On nous parle d'un degré et demi, 2 degrés, on serait déjà à 3 degrés. Oui. Puis moi, je ne vois pas grand changement. Hein, on en a beaucoup parlé sur le plan médiatique, du matin jusqu'au soir. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On peut s'interroger. Donc, vous voyez, il faut pas faire non plus d'angélisme. Il faut être optimiste, mais réaliste. Alors, j'essaye d'être réaliste. Pas avoir la tête dans le sable. Non. D'ailleurs, un rosicrucien se définit lui-même comme quelqu'un qui a la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. D'accord. Et au-delà des écrits, est-ce que la Rose-Croix met en place des actions est-ce que la Rose-Croix s'implique en fait dans la vie sociale? La mort ne le fait pas en tant que telle, parce que là aussi, il y aurait forcément une connotation politique. Voilà. Mais les membres de l'ordre, en application de la philosophie rosicrucienne, à titre individuel, s'implique dans beaucoup d'associations caritatives. Puis vous connaissez l'adage, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Donc les rosicruciens ne vont pas jouer du tam-tam pour faire remarquer à la terre entière qu'ils essayent d'être humanistes et d'aider leurs prochains. Plutôt que de le dire, ils le font. Et qu'est-ce que vous dites? Alors, pour les personnes qui ont déjà un côté spirituel, puisqu'il existe beaucoup d'ouvrages dans ce sens, qu'est-ce qu'ils auraient à gagner à rentrer du coup dans la Rose-Croix? Bien, comme je le dis assez souvent, je pense qu'il est temps de passer de la religiosité à la spiritualité. Ça, c'est un discours que je tiens fréquemment. Qu'est-ce que je veux dire par là? La religiosité, c'est la croyance en Dieu. Mais croire en Dieu ne rend ni meilleur sur le plan humain, ni plus heureux. Moi, je connais, quand on regarde l'état de l'humanité, on évalue à peu près à 80% de la population mondiale le nombre de croyants. Est-ce que vous croyez que 80% de la population mondiale est heureuse? Non, c'est bien la preuve que la croyance ne rend pas nécessairement heureux. Et meilleur encore moins, parce que si on parlait tout à l'heure des intégristes musulmans, ils croient en Dieu. C'est même au nom de Dieu qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils torturent, qu'ils violent. Donc je pense qu'il faut s'élever de niveau et passer donc de la religiosité, que je respecte, mais qui se limite à la croyance, à la spiritualité qui, de mon point de vue, est plus du domaine de la connaissance. Ce qui peut sauver le monde, ce n'est pas la croyance, c'est la connaissance. Parce que la connaissance, elle permet de combattre l'ignorance. Et le monde se meurt d'être ignorant. Alors, quand vous dites ça, vous écartez des gens, des croyants de toutes les religions, parce que ce soit un catholique, un musulman ou un bouddhiste, ils croient à quelque chose, même s'il y a un peu de connaissance. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de faire une sorte de petit dogmatisme quand même? Surtout pas, puisque comme je vous l'ai dit, il y a parmi les rosicruciens des chrétiens catholiques, orthodoxes, protestants, il y a des juifs, des bouddhistes, des animistes, ça ne pose aucun problème. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Vous voyez, je pense qu'on peut passer encore une fois d'une quête religieuse, que je respecte, à une quête plus spirituelle encore. Vous voyez, mais bien entendu, ça ne pose aucun problème. Et de toute façon, qu'est-ce qui est important en ce monde? C'est d'être heureux. Si un chrétien est heureux dans sa voie chrétienne, il aurait bien tort de changer. Même chose pour un musulman, pour un bouddhiste, vous voyez. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Alors, on
on va dire quand même quelques mots sur le congrès qui va se tenir en Guadeloupe. Comment ça va se passer concrètement au vu de la 300aine de membres que vous avez ici? Qu'êtes-vous venu leur dire et comment ça va s'organiser? Il y a un grand maître en Guadeloupe, en fait? Non, le grand maître, il est le responsable de toute une juridiction. Mais il y a un responsable, oui, pour la Guadeloupe et qui sera là, bien entendu. Alors, on va être réunis pendant 2 jours, et comme je vous l'ai dit, pendant 2 jours, il y aura des exposés culturels, des exposés de nature spirituelle, il y aura des moments plutôt ludiques, il y aura des rencontres fraternelles. Vous voyez, c'est tout simplement ça, une convention. D'accord. Et c'est ouvert à la presse ? Non, parce que c'est quelque chose qui est réservé aux membres. Par contre, comme je vous l'ai dit également, il y aura une conférence publique ce soir, et là, c'est ouvert à la presse, et c'est ouvert à tous. Donc c'est une conférence qui va durer à peu près 2 heures. Oui. Pendant la première partie, je vais exposer un petit peu ce qu'il en est des Rose-Croix, et puis pendant la deuxième partie, toutes les personnes pourront me poser les questions qu'elles souhaitent. Et vous espérez ainsi augmenter le nombre de Rosicruciens en Guadeloupe? Non. C'est une façon? Non, honnêtement, non. La morgue n'a pas de visée prosélyte. Bien sûr, je ne vais pas être hypocrite. Oui. S'il y avait plus de membres, je pense que ce serait bien pour l'ordre. Mais si des gens viennent frapper à la porte. Et même, je pense que ce serait bien pour le monde, honnêtement. Oui. Je pense que plus il y aura de Rosicruciens, on sait qu'on est le petit nombre et qu'on le sera toujours. Mais je pense que plus il y aura de Rosicruciens, mieux ce sera pour tout le monde. Je le pense vraiment. Mais la conférence, elle n'a pas ce but-là. La conférence, elle a pour but d'expliquer aux gens qui viendront qui sont les Rose-Croix et qui ils ne sont pas. C'est surtout ça. Je dirais, c'est presque un but de culture générale. Et donc, ce sera quelque chose de clos, en fait, hein, ce congrès. Et à la suite du congrès, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de prise de position sur quoi que ce soit. Non. Là, on est dans le domaine de la culture, de la spiritualité, de la fraternité. Mais vous savez, c'est un moment de réflexion, d'échange, c'est ça, entre membres, d'échange. Mais vous savez, bon, un congrès de francs-maçons, il faut être franc-maçon. Oui. Un congrès de chrétiens, il faut être chrétien. Un congrès de journalistes, il faut être journaliste. Oui. C'est normal. Il y a aussi des moments privés, des moments publics. Oui. Moi, ça me paraît tout à fait naturel. D'accord. Ben, écoutez, Cela dit, voyez, exceptionnellement, j'ai même donné mon accord pour quelques amis qui ne sont pas rosicruciens participent à cette convention. C'est vous dire que nous sommes ouverts. Très ouverts. Enfin, dans tous les cas, pour en savoir plus, du coup, c'est le rendez-vous, c'est ce soir à 19h30, donc à l'hôtel Le Salaco, c'est ça, au Gosier. Je crois, oui. Et ça sera le thème voie de connaissance et de sagesse. Oui, la Rose-Croix, une voie de connaissance et de sagesse. Voilà, ouvert à tout public. Ben écoutez, Christian Toussaint, on vous dit merci, grand maître, d'être venu nous éclairer de votre spiritualité. Et puis, on espère que votre congrès se passera dans le meilleur terme et que tout ira bien pour vous et que peut-être vous allez gagner quelques membres parce que vous êtes passé sur une télévision publique où beaucoup de gens vous ont vu et écouté. Il se pourrait même que des gens soient intéressés. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils prennent contact avec le siège de l'ordre ou ils vont sur Internet. Ils auront déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Et en tous les cas, moi, je vous remercie de votre gentillesse et de votre ouverture d'esprit. Voilà. Merci bien. Il est pratiquement 13h. Ça va être l'heure de la première pause de pub. On se retrouve tout à l'heure pour parler de presse, de journaux avec Jessie et nos amis de la presse guadeloupéenne. Merci encore, Christian Toussaint. Merci. Serge Toussaint. Voilà, il est 13h06 dans le ZCL, CDLP. Pour l'instant, on va d'abord saluer nos deux confrères qui sont déjà là. Jean-Claude Rode, bonjour. Bonjour. Et Marie-Jacques, bonjour. Bonjour à tous. Notre ami Jacques Dancal devrait nous rejoindre dans quelques instants. Mais pour le moment, on revient au titre de l'actu avec Jessie. Bonjour encore. Et au niveau des titres, donc Danick, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes allés à la rencontre du MIR, donc le Mouvement international pour les réparations, qui a réagi suite aux propos de la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, qui, on le rappelle, a fait un parallèle entre les femmes qui choisissent donc de porter le voile et les esclaves noirs américains. Et les douaniers guadeloupéens sont inquiets et la réforme de l'octroi de mer y est peut-être pour quelque chose, on le verra tout à l'heure. Hier, les syndicats des douanes de Guadeloupe tenaient une conférence de presse à Pointe-à-Pitre pour expliquer leurs craintes.
Et dans la nuit donc du dimanche à lundi dernier, un incendie apparemment criminel avait ravagé les locaux de la vie scolaire au collège du Lamentin. Suite à la mobilisation rapide des services du conseil départemental, les élèves pourront donc reprendre les cours dès lundi 4 avril. Et on poursuit donc le développement de l'actualité avec notre premier sujet, le ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits de l'Enfance et des Droits de la Femme, Laurence Rossignol, a choqué de nombreuses personnes quand ce mercredi, elle comparait les femmes voilées de confession musulmane aux nègres qui étaient d'accord pour l'esclavage. La ministre réagissait alors sur le lancement de la mode islamique, une comparaison maladroite, pour ne pas dire excessive, auquel le MIR, le Mouvement international pour les réparations, a souhaité réagir. Reportage tout de suite de Jeff Taylor. En premier lieu, premier bidet pour nous t'es déjà fait normalement, c'est-à-dire que la révolution a été déjà partie depuis à l'heure actuelle, parce qu'elle a regardé ça, si on dit tout corps moins bouilli, on n'y a rien contre le peuple français sauvé, contre les Européens. Ok? Mais là, nous quoi trouver nous, il y aura dépassé les bornes. C'est-à-dire que il y a traversé par rapport à tout ça qu'il a fait et nous avons senti que là, il est en train de rêver. On va parler pour Moun Guadeloupe qui peut comprendre ça. Il va comprendre de dire que c'est Mouna ça qui a porté nous en l'air toujours, qui a mis nous sur un piédestal. On va penser qu'actuellement, que là, il peut comprendre où la nous caille, en quelle direction que nous caille. Et nous-mêmes aussi, on va penser que nous pouvons comprendre quelle direction pour nous prendre en pays Guadeloupe. Le problème là qui dit là, c'est quelle liberté, la notion de liberté. Est-ce que les libertés sont en définition personnelle en nation? Est-ce qu'elles sont habitées que certains mettent loi assis? Quelle est le mot liberté? Parce que le plus souvent, c'est mon ça, il va parler au nom de la liberté. Donc ça, c'est le premier bidet. Il faudrait peut-être définir qu'est-ce que la liberté. On peut envie de manger rien qui mourit avec tifig et pas envie de manger ou un steak avec pommes de terre. Donc chaque monde, il faut respecter ça. Donc la liberté, c'est qui bidet? Il faut nous définir ça. En cas que madame là, ça c'est sa premier bidet puis il fait. Deuxième bidet, qu'a qui le respect? Parce que l'œuvre vraie ou surtout ministre de la famille, donc vous connaître que ni un mot qui existe à dit dans la famille qui c'est le mot respect. Qu'a qui respect? Respect à l'autre là, respect à dans différents ça, il y a dans manière de parler, il y a des rires, des marcher, des tomber, des malades, enfin de tout ça, qu'a qui le respect? Ça, c'est le deuxième bidet. Et troisième bidet, que vous savez, est-ce qu'il y a des gens qui détiennent la civilisation humaine? Vous savez, à pas première fois qu'il y a des écarts de langage en France, à pas premier monde, hein? Et il y a le monde qui réagit, mais nous pas assez loin. On remarque que la France a dérespecté l'histoire en nous, l'Europe a dérespecté l'histoire en nous, parce que dès que vous parlez de la Shoah, tout le monde a monté coco. Nous avons par exemple à Dieudonné qui dit des paroles que des grands journaux reprennent. Et yo pas rien dit ces journaux-là, rien, et c'est Dieudonné qui a attaqué. En cas quoi que. On a l'impression qu'il veut faire nous comprendre que la négrophobie pas en faute. Que on peut dire n'importe qui bité à Sineg, pas moun pe di wayen, ni la loi, ni la justice, ni le gouvernement, ni pas moun. Et c'est vraiment inadmissible. Parce qu'on a rappelé encore que depuis on dit on bité si la Shoah ou on d'autres thèmes, il y a monté coco. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas nous accepter ces paroles-là. Ça. Ni ta ministre-là, ni ta celle-là qui fait avant-là, et qu'il faut nous réagir. Il est pour que yo comprennent que nous avons une histoire qui est en nous, qui est raide, et qu'il ne faut pas faire gérer l'histoire-là. Ça. Et les syndicats des douanes de Guadeloupe ont organisé hier à Pointe-à-Pitre une conférence de presse pour dénoncer leur inquiétude. Ils dénoncent la suppression de postes alors que la charge de travail reste la même. La profession alerte également les collectivités locales
sur le danger de confier à la préfecture la répartition de la dotation globale garantie. Les syndicats des douanes de Guadeloupe risquent de se mobiliser très prochainement pour lutter contre ces dispositions entreprises par la direction régionale des douanes. Reportage de Nicolas Hatchi et Bruno Etono. La direction des douanes de Guadeloupe est l'une des plus touchées par les restructurations et les suppressions de postes. Effectivement, au comité technique de 2007, nous étions 342 agents. Aujourd'hui, nous sommes autour de 240, hors les personnels de service. Ce qui prouve qu'il y a vraiment une nette diminution des effectifs. C'est ce qu'on appelle des coupes sombres. Nous sommes l'une des directions de France les plus touchées. Par contre, on nous demande de conserver la même charge de travail. Quand on nous exonère d'une certaine charge, c'est à notre insu. Les missions, un receveur régional un jour, celui qui est là, décide qu'il ne veut plus faire la répartition des produits de l'octroi de mer au profit des collectivités territoriales locales. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il informe la direction générale qui décide, en dehors des lois et règlements de la République, et qui décide carrément de confier la répartition à la préfecture par une note du 28 janvier 2016 et rétroactivement au 1er janvier 2016. Ce qui fait que le danger, les collectivités locales sont interpellées parce que l'argent ne rentrait pas, puisque la préfecture n'était pas formée. Et donc, les douaniers ont fait le travail durant le mois de janvier et février. Aujourd'hui, on a perdu cette mission essentielle. Nous ne contrôlons plus tout cela. Donc, nous sommes mécontents, la profession est mécontente et nous avons décidé de le faire savoir. Il a été décidé d'entrer en mouvement, vous l'avez entendu, très bientôt. Et que nous passons le message par votre biais en disant au président Chalus que la Direction générale des douanes a peut-être certainement outrepassé ses droits en décidant de confier la répartition de la DG, la dotation globale garantie, à la préfecture sous couvert de la DFIP. Et cette même DFIP qui a déjà des difficultés pour faire face à ses charges de travail elle-même. Quoi conclure en faisant passer un message aux postiers, notamment à ceux des messages qui après tapit, nous qu'a dit yo. À d'un plan à yo, on combine la douane et la poste. Ils ont décidé de fermer son douanier postal à Pointe-à-Pitre, Rézé, et de voyer tout simplement là ça à Paris. Sauf qui peut. Nous pas l'intention de laisser ça faire. Nous que goumé. De toute manière, le message est clair. Aucune avancée sociale n'a été obtenue en Guadeloupe sans la lutte. Eh bien, nous douaniers, nous ne sommes pas sans lutte. Mais nous que bloqués et nous que fait mal. 13h14, Jessie, on termine le journal avant de passer à la revue de presse. Et dans la nuit, donc du dimanche à lundi dernier, les locaux de la vie scolaire du collège du Lamentin ont été ravagés par un incendie. Quelles que soient les raisons de cet acte, il ne bloquera pas le fonctionnement de l'établissement. Les travaux de démolition et de nettoyage ont démarré depuis mercredi. Un grand nombre d'ouvriers a été mobilisé pour permettre aux collégiens de reprendre leurs cours normalement dès lundi. Nous sommes allés constater l'avancée des travaux ce matin, reportage donc avec Harold Luce et Nicolas Chi. Tout est au point grâce au dynamisme du conseil départemental et à la présidente que je dois remercier, grâce au dynamisme entrepris par les équipes de l'Académie de la Guadeloupe et de l'établissement du collège, nous allons pouvoir fonctionner et accueillir les élèves comme d'habitude avec toute la bienveillance que nous devons et toute la bienveillance avec laquelle nous fonctionnons. La vie scolaire, elle est prête. Elle est tout à fait finalement prête avec du mobilier adapté et tout à fait mis là pour encore mieux accueillir les parents, les élèves. Donc nous pouvons dire à ce point que le lundi, les élèves seront accueillis à 8 heures. Les services de transport que nous avons sollicités devraient changer leur rotation de façon à ce que les élèves arrivent à 8 heures. Le personnel du collège sera de 7 heures à 8 heures en réunion où nous allons pouvoir échanger sur un certain nombre d'éléments facilitant l'accueil des élèves et facilitant le redémarrage immédiat avec le même dynamisme du collège. Je crois que nous devons féliciter les entreprises de la Guadeloupe qui ont dépêché leur personnel en nombre pour effacer les quelconques traces d'un quelconque incident.
que nous considérons comme dépassée et que la puissance d'action que nous avons la chance d'avoir en Guadeloupe permet justement de redémarrer avec dynamisme. Le dernier point d'actualité, puis on doit recevoir une personne sur IA tout à l'heure, dernier point d'actualité avec Jessy. Et on part côté santé, Danick, les parcours du cœur sont la plus grande opération de prévention santé organisée dans plus de 800 villes en France. À cette occasion, le Centre communal d'action sociale de la ville de Petit-Bourg organise des conférences débats pour sensibiliser la population aux maladies cardiovasculaires et sur les comportements à risque. Ce matin, à Petit-Bourg, l'opération démarrait sur le thème « Comment pratiquer une activité physique pour sa santé ?» Reportage de Maxime Morel. Alors, cette conférence a lieu dans le cadre du Parcours du Cœur. Donc, le CCAS de Petit-Bourg organise depuis plus de 10 ans cette manifestation du Parcours du Cœur. Donc, c'est vrai qu'il était important pour nous de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Donc, cette conférence est tout à propos pour permettre de sensibiliser les personnes sur ces maladies-là. Et la possibilité et le fait de faire une activité physique et sportive. Mais je pense que c'est important maintenant, puisqu'on constate de plus en plus de maladies cardiovasculaires dues à un manque d'activité. Il y a beaucoup de personnes qui sont sédentaires et donc peu d'activité, donc qui perdent en cause de la malnutrition également, puisque nous avons un problème d'alimentation au niveau de la Guadeloupe et également au niveau national. Donc il était important de faire une conférence sur ce thème-là. Ce que j'ai essayé d'apporter, c'est d'abord les urgences qui existent actuellement concernant la santé physique, concernant à travers les constats qui sont alarmants, à travers la réduction d'activité physique, l'augmentation des grandes maladies qui sont l'obésité, les maladies cardiovasculaires, dont une urgence même, que j'ai parlé de politique publique, c'est vraiment une question de politique de santé publique qui existe à travers ces carences. J'ai pas parlé que de sport justement, c'est l'activité physique, le quotidien, augmenter un peu ses déplacements, augmenter un peu, lutter contre la sédentarité, d'autant plus jeune, pour commencer et pour durer d'autant plus âgé. C'est-à-dire le sport pour tous, de manière à pouvoir aussi rompre avec ce qui se passe, puisque nous sommes à un tournant en Guadeloupe, avec les phénomènes de vieillissement, avec aussi tous les phénomènes que vous savez, qui sont les maladies cardiovasculaires. Donc j'ai essayé d'alerter, certes, mais pas forcément aussi de faire peur, mais aussi de dire que on peut faire des choses, tout en étant encadré, en allant vers des professionnels, de manière à pouvoir pas faire du n'importe quoi, mais pouvoir accompagner et se sentir bien, puisque la santé est avant tout une question de bien-être, puisque la définition dont j'ai parlé fait effectivement du bien-être mental, psychique et aussi social. Voilà, il est pratiquement, j'ai dit 13h56, c'était le dernier round de l'actualité. Juste un dernier mot, qu'est-ce qu'on va retenir de l'actu aujourd'hui, l'important? Mais la réaction du coup du MIR Guadeloupe face aux propos de Laurence Rossignol, la ministre de l'Enfance et des Droits des Femmes. Donc on rappelle qu'elle a comparé les femmes voilées musulmanes aux nègres qui étaient pour l'esclavage à l'époque. La possible mobilisation aussi des douaniers de Guadeloupe, une mobilisation apparemment imminente, on va la faire état à suivre. Et la grève qui n'est pas achevée à Canal+. Canal Satellite. Et on répète aussi que les collégiens du coup auront bien cours au Collège du Lamantin dès lundi. Et demain donc deux manifestations, l'une au moule, beauté créole show, c'est ça? C'est ça, donc puis, ça sera dimanche ça c'est par dimanche, contre. C'est pas demain, c'est dimanche. C'est dimanche, beauté créole show. Oui. Ce soir vous avez Anthony Cavana. Et demain ça... Demain, il y a forcément demain, quelque chose. Demain, on a Maître Gims. On a Maître Gims. Qui revient de sa tournée Martinique-Guyane et qui passe en Guadeloupe. Voilà, c'est terminé, pratiquement 14h. La réalisation, c'était notre ami Yann. On remercie donc nos amis de la presse d'être là. Et Jessie, bon week-end à vous. Bon week-end à vous deux. Et à la semaine prochaine. C'est terminé.